Salut à tous, on se retrouve pour la partie 2, la réalisation d'une clôture. Donc là on va continuer la pose. Donc hier on a posé 1, 2, 3, 4. Et là on va essayer d'aller jusque là, jusqu'au portail. Parce que cet après-midi il faut qu'on aille encore sur un autre chantier. On va essayer de faire ça. Le béton vient d'arriver donc c'est parti, on va commencer. Une fois la dalle en place, on la règle tout de suite correctement au niveau du cordeau. On met tous le bon écart. En l'occurrence, c'est un œuf de la ficelle. C'est un œuf parce que là, comme vous voyez, le poteau est plus large. Ensuite on mesure du point de la dallette jusqu'au haut de la, du poteau. Il faut qu'on ait 1m53 parce qu'un 1m53 c'est la hauteur de la grille. Donc, pour qu'elle soit pas plus haut que le poteau. Quoi. Une fois que ces 1m53 sont faits, on la tape de niveau. Là on a mesuré du haut du poteau jusqu'à la dallette 153, comme j'ai dit avant c'est la hauteur de la feuillure.
Et ensuite, une fois qu'on a les 153 à ce point-là, on met la dallette de niveau. Puis maintenant, on va mettre la feuillure dedans et puis on la clipse. Je vous accroche là. Là, le sens de la grille, donc nous on met toujours le renfoncement là, on le met vers l'extérieur, en haut pareil, et les pics vers le haut. Donc maintenant il reste plus qu'à clipser. Donc en fait là le principe d'éclipse, vous voyez ici, on va venir prendre une maille. Donc nous comme là en l'occurrence on en met un en bas, un au milieu et un en haut. Et à chaque fois sur une maille pour éviter, bon il bougera pas le panneau vu qu'il y a la bordure en dessous. Mais toujours dans une maille. Ensuite la pince, on va venir la mettre également la maille là dedans. Et l'arrière de la pince, de la petite incurvation là. Ensuite on va venir le mettre en pression contre le poteau. Ça va légèrement pousser le poteau et venir se clipser à l'intérieur. Et une fois que ça c'est dedans, à part avec le flex, c'est difficile de les ressortir quoi. Donc voilà. Ensuite on met en place le prochain poteau. Donc il faut qu'il soit remonté de 9 par rapport à la feuille. Donc, vous voyez, alors on remonte à chaque fois de 9 cm. Tout simplement là, la rue elle monte là. Donc en fait j'ai pris tout simplement mon point là-haut et mon point là en bas. Donc j'ai fait ma différence d'altimétrie entre ce point et je l'ai divisé par le nombre de panneaux. Donc ça me donne 9 cm. Donc si je monte à chaque fois de 9 cm par panneau, j'arrive en haut, pile poil au coin de la clôture. Enfin, un peu en dessous pour que la dallette soit enfuie. Quoi. Donc voilà. Donc là on est arrivé à l'angle, j'ai coupé toutes les dalles de soubassement là. L'angle. Donc là ce qu'on a fait c'est que en fait, j'ai 3,63 m et les grilles font 2,50 m. Du coup on a centré le poteau du milieu.
s'est mis à 61,5 pour que les deux parties soient identiques. Donc là maintenant je vais couper la grille. Donc là je mets à chaque endroit où j'ai coupé pour éviter la corrosion, je mets un coup de peinture. Donc c'est de l'anthracite, même couleur que le grillage, c'est du RAL 7016. Laisse-le par terre. Je vais faire en bas. Vas-y. Donc pour nous c'est fini pour aujourd'hui, il faut qu'on aille encore sur le chantier de pavage pour refermer les trous. Arrivé sur le chantier, la livraison des pavés est arrivée. Je crois que les clients ils ont de quoi faire, hein. Quelques mètres carrés. Là.